église et amis qui nous suivez par internet c'est toujours un plaisir de vous annoncer la bonne nouvelle de jésus pour notre monde mon nom est ralph je suis un des, des pasteurs de notre belle église donc écoutez, allons dès maintenant à la lecture de notre passage de ce matin ou ce soir, peu importe le moment que vous m'écoutez, et ce passage se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 10. Nous allons lire quelques versets du verset 38 au verset 42, un court passage pour nous aujourd'hui. Alors Luc 38, Luc 10 pardon, verset 38 à 42. Et vous m'excuserez, j'ai un petit rhume, donc peut-être que ça s'entend un peu dans ma voix. Donc je débute la lecture, Luc 10, versets 38 à 42. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut. Sa sœur, appelée Marie, s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, qui s'affairait à beaucoup de tâches, Surveille, dit, Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas retirée. Elle ne se lui sera pas retirée. Alors, dans cette scène, on voit là, euh, les deux sœurs qui ont euh, des priorités diamétralement opposées. Alors que, que, que Marthe, elle, elle court un peu dans tous les sens, Marie, elle, est au pied du Seigneur et écoute euh, sa parole. Et, et, et voici un texte qui, je vous dirais par expérience personnelle, n'est pas souvent euh, prêché. Euh, je trouve qu'il est souvent mis de côté parce que. Les prédicateurs, quand il en vient à, à Marie et, et, et Marthe, je pense qu'ils préfèrent plutôt focaliser sur une dynamique un peu plus extraordinaire que ce qu'on voit qui prend place ici dans notre texte. Jésus était un ami de Marthe, de Marie, et Lazare. Et on, on se rappelle hein, que, que Jésus a littéralement ressuscité Lazare des morts, donc... Euh, on en convient, c'est un peu plus inhabituel, euh, c'est un peu plus extraordinaire que ce moment qu'on voit dans notre texte. Et, et je dirais qu'une autre chose qui peut euh, expliquer que ce passage est régulièrement outrepassé, euh, c'est le contexte du passage. Notre, notre, notre texte s'insère juste après le texte légendaire de la parabole du bon samaritain. Hein? Et, et, et juste avant le très connu Notre Père. Euh, vous savez, là, ce texte de quelques versets est beaucoup plus anodin que, que nourrir une foule de 5000 hommes sans compter femmes et enfants. Euh, c'est beaucoup moins impressionnant que, que la transfiguration de Jésus. On assiste ici là, à une scène plutôt banale. Mais je vous dirais que c'est précisément la banalité. De, de la scène qui m'attire dans le texte c'est un homme invité chez des amis c'est ça notre texte un homme invité chez des amis on a, on a tous euh, déjà été euh, invités ou invités euh, des gens hein? donc euh, s'imaginer cette scène est assez facile et je vous dirais que on a tous un certain code d'étiquette lorsqu'on va euh, chez des gens ou lorsqu'on reçoit des gens je ne sais pas pour vous, mais moi, d'ordre ordinaire, j'aime que ma maison soit propre, mais j'aime qu'elle soit particulièrement propre lorsque je reçois de la visite. Right? Et, 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 et là, maintenant, ce que je m'apprête à dire, je ne le dis pas pour faire plaisir à ma femme, je ne fais que dire un fait. Vous allez voir, là, ça a un lien, OK? Mais je, 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 je capote sur la lasagne de ma femme. J'aime je, 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 la lasagne de ma femme et s'il vous plaît, N'allez pas le dire à ma mère, mais aujourd'hui, je préfère la lasagne de Karen à celle de ma mère. Hi -hi. Et euh, la, 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 la lasagne de ma mère est bonne, là, ok. Mais, mais vous devriez goûter la lasagne de ma femme. Bref, ok. So, J'aime sa lasagne et parfois, euh, alors il y a des moments qui, c'est arrivé à plusieurs reprises, des moments où est-ce qu'on allait justement recevoir, puis on se demandait ensemble, mais c'est quoi qu'on va servir. Puis là, à plusieurs reprises, j'ai déjà dit à Karen, mais bébé, mais ta lasagne, elle est légendaire, tu devrais la faire. Puis là, elle, elle me répond, ben là, je vais pas servir de la lasagne aux invités. On peut faire quelque chose de, de plus intéressant. La lasagne, c'est normal. OK, OK. So, moi, je trouve que, 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 que c'est bon, mais apparemment, ce n'est pas suffisant. Hein? Il faut faire quelque chose. De moins, euh, normal. Hein. Elle m'a dit, non, la lasagne, c'est pour le mardi soir. Ça, je... bon, ok. Donc, j'aime bien euh, l'osso buco puis avec des petites patates, puis des petits légumes, là, OK. Mais, mais pour vrai, moi, n'importe quand, donne-moi de la lasagne. <laughs> Et la lasagne de ma femme. Tout ça, c'est pour expliquer que quand on reçoit, on a des standards, on a une certaine étiquette. Et lorsque je suis en visite aussi, personnellement, ben, je retire mes souliers avant d'entrer chez les gens. Je, ou, autre chose que je vais faire, bien, je ne vais pas m'asseoir à table avant qu'on m'y invite, avant qu'on m'invite à m'y rendre. Ou encore, je ne vais pas prendre l'initiative personnelle de me faire un tour guidé euh, de la maison de mes autres, puis ouvrir toutes les portes. Donc, on, on se comprend, on est capable de comprendre qu'on a tous un certain code. Donc, on est, on est très facilement, on est facilement capable de comprendre que, que Marthe veut bien recevoir Jésus. Elle veut bien le recevoir et quand même, on se le dit, c'est Jésus qu'elle reçoit. Hein? Ce n'est pas, pas n'importe qui. On va pas donner des hot-dogs à Jésus là. Hein? On sort la, la, la grosse pièce de viande pour Jésus. On prend la bonne bouteille pour Jésus, pas la petite affaire cheap là, okay? Donc, si Jésus vient chez toi, sincèrement, c'est quoi que tu fais comme mais On s'entend, il y a de la grosse pression là. Okay? Le roi de l'univers vient chez toi mais tu vas pas lui donner des croquettes que tu viens de mettre au air fryer, ok? On s'entend. On comprend que Marthe veut bien faire, ok? Et qui plus est, le texte ne nous dit pas explicitement, mais il y a plusieurs théologiens qui s'entendent pour dire que c'est un peu vraisemblable que Jésus se soit séparé de ses disciples. Donc, ce qu'on doit en déduire pour bien comprendre, c'est que Jésus arrive chez elle avec douze jeunes hommes affamés après une bonne marche donc oui il y a de la pression ici là ok maintenant notre texte ne nous dit pas il ne nous mentionne pas on en est où dans la soirée ok est-ce que c'est est dans le moment où est-ce que Marthe cuisine et s'apprête à servir la table est-ce que c'est c'est après le souper puis maintenant c'est le temps de la vaisselle puis c'est le temps de ranger le texte nous dit que Marthe s'affairait à beaucoup de tâches et qu'elle était absorbée par les, les nombreux soucis du service ou encore une autre traduction va dire elle était occupée à divers soins domestiques donc on est à quelle étape de la soirée je sais pas mais une chose que je sais c'est que marthe est rôle marthe ne chôme pas et, et on est très bien capable de voir marthe là dans la cuisine euh, en train de faire la vaisselle ou autre chose puis pendant qu'elle fait ses trucs elle se dit ben oui c'est toujours comme ça. Je travaille comme une poule sans tête pendant qu'elle, elle, elle prend le thé puis elle donne des blagues. Je suis toujours pris à faire plus. Puis quand elle, elle ne fait pas, euh, c'est ben qui qui va le faire? Ben oui, la bonne de service. Et, et, et là, je, je vois, là. je suis capable de le voir. Je vois Marthe qui sort après avoir ruminé tout ça dans sa tête. Puis là, je la vois qui dit "Ben Seigneur, <laughs> ça ne te dérange pas que, que, que Marie, elle me laisse faire le travail toute seule? Ça ne tente pas de lui dire de venir m'aider? OK. Maintenant, on va faire pause sur cette scène et on va regarder un peu le personnage de Marthe. On va regarder un peu le personnage de Marthe. J'aime euh, imaginer Marthe euh, comme une femme étant, je ne sais pas trop comment le décrire, ma femme et moi, on a ce terme-là, là. là. Euh, une femme un peu bout de bout, là. Je ne sais pas comment dire ça, OK? C'est euh, un peu gros soulier, mais, mais une boule d'amour. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance, OK? Il y a des personnes, là, ils vont te servir, puis ce n'est pas avec le plus grand des sourires, mais tu sens que c'est fait avec cœur, OK? Il y a des gens comme ça, là. Ça ne sourit pas fort, mais tu sais qu'ils se plaisent à servir, puis ces gens-là le font de, de tout cœur, OK? Je vous dirais même que c'en est parfois identitaire. Bref. OK. Donc, première, euh, premièrement, un aveu ici. OK? Euh, moi, j'aime Marthe. J'aime Marthe et, et j'aime pas la façon dont elle est souvent euh, traitée. Trop souvent, là, dans notre façon euh, de conceptualiser les choses sans trop de nuances, euh, on perçoit Marthe comme étant une mauvaise, comme, on perçoit Marthe comme étant mauvaise, puis c'est Marie qui est la bonne. Donc, ce qu'on se dit ou ce qu'on se fait dire, c'est Soyez comme Marie, ne soyez pas comme Marthe. Et là, on se met à juger puis à être religieux. « Ouais, 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 les martes, c'est n'est pas bon. soyez pas comme des martes. » Puis là, on condamne marthe et puis les martes de ce monde, OK? <coughs> Pardon. La réputation de marthe prend un coup, OK? Mais je vous dirais qu'il y a plusieurs aspects de Marthe qui sont vraiment bons. Plusieurs aspects de martes qui sont vraiment bons, là, OK? Si on lit le verset 38, il nous dit, « Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut. Donc là, tu as Jésus qui arrive en ville avec ses acolytes et elle l'invite chez elle. Marthe, c'est Marthe qui l'invite. Marthe fait preuve d'hospitalité et ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. On devrait apprendre d'elle. Hein? Une des choses que l'hospitalité veut dire. C'est qu'on accepte de se faire déranger pour le bien-être de l'autre, pour servir l'autre. Ça aurait été bien plus facile là, pour Marthe de laisser euh, Jésus aller dans l'hôtel du coin, mais elle voulait le recevoir parce qu'elle voulait prendre soin. Et parce qu et quelque chose à noter aussi, c'est que parce qu'elle, elle a bien voulu recevoir Jésus et ses acolytes, c'est ça qui a permis Marie, euh, à Marie d'avoir du temps avec le Seigneur. Et, et c'est bien ça, c'est bien. Marthe, euh, c'est une femme. Qui, qui reçoit le Seigneur, elle a une relation avec lui, elle ouvre sa maison à Jésus. Et la mention de, de Marthe dans d'autres passages de la Bible nous permet de croire qu'elle était une femme qui, qui aimait Jésus. Elle, elle servait euh, Jésus. Elle était attentive aux besoins de Jésus. Donc, oui, 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 bien sûr, comme tout le monde. Pas parfaite, la dame, là. Elle n'était pas parfaite. Mais, mais il ne faut pas la caricaturer et la dénomoniser, là. Marthe était une femme qui aimait le Seigneur et qui était dévouée à son service. Et ça, je trouve que c'est bien. C'est très bien. Il faut le souligner. Mais maintenant, comme n'importe quel être humain, Marthe n'était pas sans faute. Et dans notre texte, ça donne que hmm, c'est les erreurs de Marthe qu'on voit là. Puis on voit que Marthe en a fait plusieurs. On voit que... On voit que Marthe attache une très grande importance à la tâche. Hein? Je dirais même une trop grande importance. Une importance si grande qu'elle en arrive à, à, à croire que euh, ce que sa sœur fait est moins important que ce qu'elle fait. Huh. Marthe reproche Jésus qu'il laisse sa sœur là alors qu'elle, elle se démène dans des tâches. Marthe demande à Jésus, ça te dérange pas que je travaille seule Ok. Maintenant, si on est bien franc là, okay? combien, combien, de femmes ont cette même pensée ou se sentent comme Marthe hein? Tu, tu, tu sers la famille à chaque jour, mais les mercis sont, sont occasionnels et plutôt rares. Ce que tu fais passe inaperçu aux yeux de tes enfants de ton mari, de tes proches, tu en viens même à te demander si ça passe pas inaperçu aux yeux de Dieu. La routine, elle n'arrête pas. Debout avant les autres. Le mari il ronfle encore, les enfants sont dans le lit, tu reçois peu d'aide et peu de merci, puis là, boum, la maison, elle se réveille, puis là, ça part. Là, il faut faire les lunches, les sacs d'école, puis ensuite, c'est le travail. Puis après, une bonne journée de travail, boum, c'est le deuxième travail qui commence. Puis là, c'est quoi qu'on mange? Le devoir des enfants, t'es fatigué. La lessive, t'es fatigué, pas de temps pour toi. Les activités des enfants, t'es fatigué, t'es fatigué, puis on dirait que personne le remarque. C'est une sociologiste. Euh euh, une sociologue euh, du nom de euh, Judith euh, Warner, qui va dire euh, ceci dans son ouvrage intitulé Perfect Madness, Motherhood in the Age of Anxiety, ma traduction en français, la folie parfaite, la maternité euh, à l'ère de l'anxiété. Et elle va dire quelque chose... Comme si elle va dire Ce livre est une exploration d'un sentiment, ce sentiment qui te prend à la gorge de culpabilité, d'anxiété et de ressentiment et de regret qui habite tant de mères aujourd'hui. Je suis convaincu que ce sentiment, ce cocktail de culpabilité, d'anxiété, de ressentiment et de regret est en train d'empoisonner la maternité des femmes occidentales d'aujourd'hui. Ce sentiment réduit nos horizons et limite nos esprits. Il absorbe l'énergie que nous devrions avoir pour nous-mêmes et pour nos enfants. Il noie nos pensées qui pourraient nous amener collectivement à formuler des solutions. Ce sentiment a de nombreux visages, mais il n'y a pas vraiment de nom. C'est pas une dépression, c'est pas de l'oppression. C'est un mélange de choses, une sorte de trop plein, un malaise existentiel, un désordre, un mess, un mess. Alors, c'est quoi C'est quoi la réponse à ce malaise, à ce désordre, à ce mess Marthe pense que la réponse est que sa sœur vienne l'aider dans ses tâches. Si seulement j'avais un peu d'aide, hein, c'est ce qu'elle dit, si pour une fois on pouvait me considérer. Maintenant, Jésus va donner une réponse différente. Et on va regarder à... À la réponse de Jésus euh, à cette question euh, tantôt. Maintenant, euh, devant ce, 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 ce malaise, ce trop-plein-là, okay, euh, ce désordre-là, c'est quoi la réaction de Marthe? Marthe, euh, Marthe sort de la cuisine et littéralement dit sa façon de penser à Jésus. Elle va voir Jésus et dit, Excuse-moi, Seigneur! Et en parenthèse, je trouve ça fascinant comment on peut l'appeler Seigneur et du même souffle lui dire quoi faire. Bref, euh, excuse-moi, Seigneur, mais ça ne te dérange pas de me voir me démener comme ça pendant que ma sœur est chill puis elle prend sa coule avec toi? Dis-lui dis donc de venir m'aider à la place. Donc, on peut voir Marthe accuser le Sauveur parce qu'il permet que sa sœur ne l'aide pas. Est-ce que tu te soucies de moi? Et là, Jésus aurait pu lui répondre. J'ai créé le ciel et la terre, puis je me dirige à Jérusalem pour mourir pour tes péchés. Donc oui, je pense que je me soucie de toi. Mais ce n'est pas, pas sa réponse. C'est peut-être ce que moi, dans ma charge, j'aurais répondu. Mais pas Jésus. Marthe lui dit, dit, eh, dis-lui donc de m'aider. Marthe fait sa germaine, elle fait sa bosse avec qui Avec Jésus. Pas fort. Marthe dit, Jésus, j'ai un plan. Et si tu lui avais dit de suivre mon plan, on serait bien là. Ce n'est pas en discutant avec toi, en chantant, en buvant du thé que la vaisselle va se faire et que la maison va se ranger. Maintenant, voici une des clés de notre passage. Sans communion régulière avec Dieu, notre attitude dans le service a tendance à dégénérer. Notre attitude dans le service a tendance à dégénérer lorsqu'on manque de communion régulière avec le Seigneur. Vous savez, je ne suis pas dans la euh, situation exacte de l'époque. Donc, euh, je me vois mal proposer une solution. Je ne connais pas exactement là, comme l'enjeu. Puis, puis, je ne connais pas non plus les solutions qui s'offraient à, à Marthe. Mais peut-être que, je ne sais pas, là, là je, vais proposer de quoi, je vais proposer de quoi de fou, là, OK? Peut-être que la solution aurait été de, de commander de la pizza puis manger avec des assiettes jetables. Et là, je peux en entendre plein qui disent Oh, pasteur Ralph! Et là, 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 vous voyez là, OK, ce feeling, ce sentiment d'inconfort que certaines personnes ressentent à cet instant précis, ou est-ce que vous me jugez parce que j'ai osé mentionner vouloir recevoir euh, Jésus avec de la pizza et des assiettes de table On va y revenir, OK Je sens votre jugement, mais c'est pas grave, Jésus même. OK. Une autre une autre solution, une autre solution. Et ça avec Jésus faisait littéralement de la nourriture. Jésus est capable de créer de la nourriture. Okay? Donc, dans le chapitre précédent, on est au chapitre 10 ici, dans le chapitre 9, on voit un gars qui arrive avec deux burgers et une frite, et Jésus nourrit l'équivalent d'un stade. Donc, peut-être que Marthe aurait pu dire Yo, Jésus, ça te tente pas de faire le truc du buffet gratuit, là, puis ça va me permettre de prendre des notes pendant l'étude biblique. Non, c'est n'est pas ce qu'elle fait. À la place, ce que Marthe fait, elle se nomine elle-même à faire quelque chose que Jésus ne l'a pas pointé de faire et elle se fruste en demandant à Jésus de faire quelque chose que lui ne l'a jamais demandé de faire. Et ça, c'est fort, là. Combien d'entre nous on vit. Écoutez, là, on vit, on vit dans un monde de fous, OK? On court comme des fous, nos horaires sont surchargés et c'est rendu la norme rendu la norme. On n'a pas de temps, on est toujours occupé, on court toujours. On, on, on est tout, on est tous un peu des, des, des martes. là, okay? Il y a toujours quelque chose à faire. Le temps, le temps nous manque. Il faudrait des journées de 30 heures pour avoir le temps de tout faire. Et, et, et combien de nous, c'est vrai qu'on est brûlés, on est frustrés parce qu'on fait des choses que Jésus ne nous a jamais demandé de faire. C'est un pasteur et théologien que j'aime beaucoup du nom de... Tabiti en qui dit euh, Pratiquer une négligence bénigne des choses qui peuvent être négligées afin de communier avec le Christ est un grand privilège pour le chrétien. Ouh. Pratiquer une négligence bénigne des choses qui peuvent être négligées afin de communier avec le Christ est un grand privilège pour le chrétien. Et là, encore une fois, j'en entends plusieurs dire Mais voyons, qu'est-ce que tu veux dire, pasteur Il y a des choses qui ne se font simplement pas. Pasteur, ton idée des pizzas, parle-moi pas de ça. Je ne peux pas recevoir Jésus comme ça. Qu'est-ce que les gens vont dire Non, 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 ça ne se fait pas. OK. Qu'est-ce qui est derrière euh, euh, ces actions et puis ces réactions de Marthe hein? Qu'est-ce qui est dans notre cœur quand on vit des situations similaires est-ce que ça se pourrait qu'on vit de l'anxiété par rapport à comment on va paraître Une anxiété euh, malsaine qui nous pousse à réagir d'une façon euh, malsaine. Cette anxiété que Marthe vit révèle des choses sur son cœur. Puis là, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse ici sur l'anxiété. C'est Feu David Paulison qui dira, et plusieurs des choses que, que je vais avancer dans les prochains instants sont inspirées de lui. Et je le cite il va dire, Dans chaque situation où vous vous sentez anxieux, vous pensez que quelque chose menace votre monde. Votre monde vous semble incontrôlable. Vous avez peur que quelque chose de mauvais se produise, et vous essayez de contrôler votre monde pour empêcher que cette mauvaise chose se produise. Comment tu réagis quand tu n'as pas ce que tu veux Comment tu réagis quand tu as ce que tu ne veux pas? Qu'est-ce qui te remplit euh, d'inquiétude, d'anxiété? Est-ce que tu deviens obsédé par ton problème? Est-ce que, est que tes pensées, là, été omnibulé par ton problème? Et, et, et comprenez-moi bien, hein, on vit dans un monde imparfait, ravagé par le péché. Donc, on a des raisons de nous inquiéter. Euh, Jésus nous dit lui-même dans Jean 16. Que on va connaître la détresse, les tribulations. La Bible nous parle qu'on va connaître des épreuves. Donc oui, le trouble vient troubler notre monde, nos familles, notre travail. Et j'aimerais également souligner que le fait de ressentir euh, notre capacité à ressentir le trouble, à ressentir euh, une saine anxiété, c'est un don de Dieu. Hein. L'anxiété, ça peut nous être utile quand elle nous avertit et quand elle nous alerte et qu'on mène ses troubles à Dieu. Mais bien souvent, ce qu'on fait avec l'anxiété, c'est pas l'amener à Jésus. Et c'est là qu'on dérape. C'est là qu'on dérape. Comment on dérape? Mais premièrement, on réagit de façon excessive à certains troubles. Et deux, on s'énerve pour des choses qu devrait, qui ne devraient pas nous préoccuper. On devient euh, anxieux pour des mauvaises raisons et on réagit de manière excessive à des bonnes raisons d'être anxieux. Paul va dire dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. Paul va dire dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. Maintenant, euh, ce que Paul dit ici, ce n'est pas un appel à être stoïque, à ne pas ressentir. Okay. Dans ce même passage, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce même passage, Paul nous donne des raisons pour ne pas être anxieux. Premièrement, il va dire au verset 5, ⁇ Le Seigneur est proche. ⁇ C'est encore David Parlesson qui va dire, si, si vous réfléchissez à vos mauvaises réactions, à vos inquiétudes malsaines et à vos soucis, vous remarquerez que vous avez oublié que le Seigneur est proche. Lorsque vous vous inquiétez et que vous êtes obsédé, vous vivez comme si vous étiez seul avec vos problèmes. Si tu te souviens, même dans les pires circonstances, que le Seigneur est proche, alors tu auras un rocher sûr euh, sur, euh, sur lequel ton cœur peut se reposer. Tu as un espoir qui est plus grand que toute menace, même la mort. Vous vous rapprocherez du Seigneur approche dans le même passage paul nous dit au verset 6 de faire connaître à dieu nos demandes donc la raison pour laquelle il nous dit ça c'est parce que dieu nous écoute et alors qu'il nous écoute sa paix gardera notre cœur donc mon ami mon ami si, 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 si tu es anxieux amène ça à jésus et déverse lui ton cœur il t'écoute et c'est qui C'est pas n'importe qui qui t'écoute. C'est pas n'importe qui qui veille sur toi. Je parle du Créateur de l'univers, celui qui a le pouvoir ultime sur toutes circonstances. Maintenant, le fait que Dieu t'écoute ne garantit pas que ce qui te rend anxieux va disparaître. Le fait que, que Dieu t'écoute, ça ne garantit pas que tes problèmes financiers vont disparaître. Le fait que Jésus t'écoute, ça ne te garantit pas que tu vas être guéri de ta maladie. Tes problèmes ne vont pas disparaître. Mais, mais, mais Dieu te réconforte et te donne force et espoir au milieu des circonstances les plus difficiles. Et ça, il y a plein de chrétiens qui peuvent l'attester. Alors, conseil pratique numéro un. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Fais connaître tes requêtes à Dieu. Dieu veut que tu viennes à lui, euh, avec tes besoins, avec tes problèmes. Il veut que tu lui parles de ce qui te trouble, de tes problèmes, problèmes de santé, problèmes financiers. Euh, cet enfant-là qui part à la dérive, amène-le à Dieu. La peine que tu éprouves, la perte que tu as subie, amène-le à Dieu. Dieu veut que tu lui demandes également pardon pour ton manque de confiance et ton manque de foi que tu lui demandes pardon de désirer, de désirer ses dons, ses cadeaux plus que lui. Hi. Alors, d'une façon très pratique, mon ami commence par dire, Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Seigneur, Seigneur, je ne te comprends pas non plus. Aide-moi, aide-moi. Admets, admets à Dieu que, malgré que parfois il t'arrive de de confesser de ta bouche que comment oui, Dieu est en contrôle, euh, ton anxiété révèle que ben, c'est toi qui veux être en contrôle. Que Dieu puisse t'aider à construire, que, que Dieu puisse construire ce pont entre ce que tu dis et ce que tu crois. Ce, entre ce que tu dis, ce que tu dis croire et la façon que tu agis et réagis jour après jour. Et ce faisant, Dieu va utiliser ta confession pour bâtir une relation avec lui. Et cette relation avec lui va te donner une paix réelle et durable. Deuxième conseil pratique, fixe tes pensées sur ce qui est vrai. Philippiens 4.8 nous dit Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, ce qui est vrai. Donc, l'anxiété est remplie de mensonges. Rempli de mensonges. Premier mensonge tu penses que le monde, ce qui t'entoure, serait mieux si tu avais le plein contrôle. Hmm. Deuxième mensonge, tu penses que le monde est hors de contrôle. Hmm. Troisième mensonge, tu crois qu'à force de, de t'inquiéter, ça va te ramener un certain contrôle. Toutes tout tout des mensonges. La vérité, c'est que, que Dieu est en contrôle, c'est lui euh, euh, qui contrôle et tes inquiétudes, ton anxiété va absolument rien y changer. Donc, donc. Quand tu es tenté là, de t'inquiéter d'une façon malsaine, rejette le mensonge que ton bien-être et celui de tes proches euh, euh, dépend euh, de toi. Rejette aussi là, les mensonges là, du plus. Ça serait mieux si j'avais plus d'aide. Ça serait mieux si j'avais plus d'amis, si euh, euh, plus, plus d'argent, plus, plus de temps, plus de respect. Demande à Dieu de fixer tes pensées sur ce qui est vrai. Et alors, tu vas, tu vas être en mesure d'aborder euh, les problèmes de la bonne façon. Puis voici ce qui m'amène à mon troisième et dernier conseil pratique. Aborde ton vrai problème de la bonne manière. Euh, Philippiens euh, Philippien 4, 9 nous dit Ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Donc, il y a des choses que tu peux mettre en pratique dès maintenant. Regarde ce qui se passe dans ta tête. Euh, regarde tes inquiétudes, là, ce, qui, ce qui pèse sur ton cœur, ce qui captive tes pensées. Puis je vais t'inviter à faire un exercice. Écris ces choses qui te préoccupent. Écris-les. Okay? Tu les écriras et tu vas voir quelque chose. Ça va être réconfortant parce que le fait, euh, 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 parce que tu vas voir que c'est un chiffre fini. Okay? Parfois là quand on a plein de choses dans la tête puis que c'est pêle-mêle, ça donne une illusion que les problèmes sont plus nombreux, plus imposants que ce qu'ils sont pour vrai, en réalité. Okay? Puis là maintenant que tu as écrit cette liste là, j'aimerais que tu fasses quelque chose, imagine avec moi deux cercles. Imagine un premier cercle quand même assez grand là d'un diamètre de 6 mètres et un autre d'un diamètre de 6 pouces. Et ce que tu dois te préoccuper, aujourd'hui est dans le petit cercle et le reste est dans le grand cercle. Okay? Et le grand cercle, c'est Dieu qui s'en occupe. Donc là, maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu prends la liste des choses qui t'inquiètent et là, tu fais un tri. Tout, tous les problèmes que tu ne peux pas résoudre, tu les prends et tu les mets dans le gros cercle et tu les donnes à Dieu. Tu t'inquiètes, euh, tu t'en fais pour la santé d'un proche, ça va dans le cercle de Dieu, ça. Euh, tu t'inquiètes d'avoir hérité d'un certain gène, ça va dans le cercle de Dieu, ça va dans le gros cercle. Mais, mais qu'est-ce que tu peux faire, va dans le petit cercle, et vraiment, posons-nous la question, mais c'est quoi que je peux faire? Okay, tu t'inquiètes, par exemple, de l'avenir et du bien-être de ton fils, gros cercle. Mais Dieu te demande de l'aimer. Hein? Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a des choses là, que tu peux faire dans ton petit cercle. Tu peux poser des actions concrètes. Aime ton fils. Et aime-le de la façon qu'il se sent aimé. Tu as des problèmes financiers? OK, donne-les à Dieu, gros cercle. Amène les, les, les problèmes à Dieu dans la prière. Et qu'est-ce que tu, tu peux faire? Mais parle-en à un frère de confiance qui, qui peut peut-être t'aider. que il y a des choses que tu peux faire mais il y a des choses qui sont hors de ton contrôle et ça, on les remet à Dieu. On les remet à Dieu. Et maintenant, si on retourne à notre texte, qu'est-ce que Marthe aurait pu faire Qu'est-ce que Marthe aurait pu faire Mais Partager le problème avec Jésus porter attention à ce que, ce que Jésus dit et s'appliquer à faire ce qu'il l'appelle à faire et se contenter de ça. Au verset 40, Marthe dit, euh, Seigneur, tu ne te soucies pas que ma soeur me laisse faire le travail toute seule, dis-lui donc de venir m'aider. Et comment Jésus répond à Marthe qui lui dit, dis-lui de venir m'aider. Jésus va répondre comme suit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas retirée. Une chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas enlevée. Donc voici ce que Jésus dit, hein? Marthe, 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 tu peux faire beaucoup de choses. Marthe, il y a plein d'affaires qui sont importantes. Tu peux faire beaucoup de choses, mais il y a quelque chose de plus important, il y a quelque chose de primordial. Prends toute ta liste. Prends ta liste, Marthe, de tout ce que tu as à faire. Et il n'y a rien à l'intérieur de ça qui est plus important que passer du temps avec moi. C'est ce que Jésus dit. Et vous savez, j'aime croire que Jésus souriait en donnant cette réponse à Marthe. J'entends un peu de, de tendresse dans la voix de Jésus qui va dire, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Jésus, Jésus l'aime. Jésus est pas fâché. Mais Jésus voudrait lui communiquer certaines choses. Jésus veut que Marthe soit assise à ses pieds aussi. Un pasteur a un jour dit Même un service vertueux ne peut remplacer l'écoute du Seigneur. Hum. service vertueux ne peut remplacer l'écoute du Seigneur. Regardons à Marie euh, pendant quelques instants. Et. Euh, vous savez, je vais en premier là, débuter par mentionner ce que Marie n'est pas. Hein? Euh, mentionner ce que Marie n'est pas parce qu'il y a quelques fins finaux ici euh, qui sont en réalité un peu paresseux, un peu égoïstes et désorganisés. Puis là, ils voient Marthe puis ils disent Bah, c'est moi ça. Hein? Prendre ça bien chill avec Jésus pendant que l'autre travaille. Hein? Non, 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 non. Il okay? faut attendre euh, attention. La parole ici n'excuse pas euh, la fainéantise. Là, hein? Et la parole n'excuse pas une paresse. Là. Marie était à l'écoute. La parole est explicite là-dessus. Ce n'est pas juste rester là, tu ch l'es là. Et maintenant, permettez-moi certaines nuances encore une fois. Je pense vraiment qu'un des points que la parole avance c'est celui-ci. L'adoration en premier après le travail. Passe du temps avec Jésus, ensuite va à la tâche. Adore comme Marie, ensuite travaille comme Marthe. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Hein. Si Marie, euh, si, si tout ce qu'elle avait fait, si tout ce qu'elle faisait de sa vie, c'est s'asseoir et étudier la parole, puis va jamais rien faire, c'est une manifestation de péché, ça aussi. C'est très différent de Marthe, mais ce pas mieux, là. C'est un pasteur qui a dit, je cite... Adore et travaille et ensuite travaille. Adore Dieu avant d'aller travailler afin de pouvoir l'adorer dans ton travail. Et faites le travail que Dieu vous a appelé à faire, non pas en poursuivant votre potentiel, mais en poursuivant son appel. Ne vous portez pas volontaire comme sauveur du monde pour boucher tous les trous et répondre à tous les besoins. Ce travail est déjà fait. Il s'agit plutôt de passer du temps avec le Sauveur du monde en lui demandant quelle partie de la mission il a confiée à votre service. Nous voulons le cœur de Marie et les mains de Marthe. Nous voulons le cœur de Marie et les mains de Marthe. Amen. Mon ami, plus important que l'œuvre du Seigneur est le Seigneur de ces œuvres que tu fais. Plus important euh, que ce que tu fais et celui pour qui euh, tu le fais. Alors, c'est quoi la réponse euh, à notre messe, à notre désordre, à notre rythme de vie fou? Hein? Marthe pense que la solution à son problème, sa réponse, c'est que Marie vienne l'aider dans ses tâches. Mais Jésus donne une réponse différente. Jésus dit à Marthe, et toutes les Marthe du, du monde, dans toutes vos, vos occupations, N'oubliez pas qu'il y en a seulement une qui soit nécessaire. Et, et cette chose, ce n'est pas une autre tâche dans ta liste. Cette chose, ce n'est pas de servir les autres. Cette chose qui est nécessaire, c'est de prendre du temps, prendre plaisir, communier avec Dieu. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas retirée. Vous savez, le psalmiste au psaume 73, au verset 25 et 26, va dire quelque chose de bien intéressant. Qui d'autre ai-je au ciel En dehors de toi, je ne désire rien sur la terre, ma chair et mon cœur s'épuisent, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. La Bible dit en Lamentation 3, 19, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abyssinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi, voici ce que je veux repasser en mon cœur, celui qui me donne de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh que ta fidélité est, grand, ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Une autre tradition va dire, l'Éternel est ma part, c'est pourquoi je l'attends. Vous savez? Le but de la vie éternelle, c'est de se réjouir en le Seigneur, comme, comme, comme se jouir du Seigneur comme notre part. La raison pour laquelle on est sauvé, c'est qu'on puisse se réjouir de Dieu. C'est le pasteur John Piper qui est bien connu pour avoir dit, Dieu est le plus glorifié en nous lorsque, lorsque nous sommes le plus satisfaits en lui. <laughs> non seulement Dieu est notre part, mais nous sommes sa part, nous sommes à lui. Deutéronome 32,9 va nous dire, car la part du Seigneur, c'est son peuple. Donc, nous l'avons hérité et il nous a hérité. Et voici la merveilleuse promesse, quand Jésus est à part, il ne peut pas nous être retiré. Le Seigneur est à nous pour toujours, nous sommes toujours les siens et rien, non rien ne va nous séparer de son amour. Malgré toutes les belles choses qu'on peut faire pour lui, il faut comprendre que ce que Dieu nous apporte est infiniment, dépasse infiniment ce qu'on peut lui apporter. Donc, à la lumière de notre texte, j'aimerais vous laisser avec les questions suivantes inspirées là du pasteur Dominique Angers. Pose-toi ces questions-là. Est-ce que j'ai envie d'écouter le Seigneur? Est-ce que je suis trop occupé pour écouter le Seigneur? Est-ce que mon service, ce que je fais, mon labeur est, est l'extension de mon écoute et le prolongement de mon écoute? Pose-toi la, la question. Quel changement le Seigneur m'invite-t-il à apporter à mon emploi du temps? Quelle chose Puisse changer, qui me permettra de communier avec lui. Je répète la citation que j'ai dit euh, un peu plus tôt. Pratiquer une négligence bénigne des choses qui peuvent être négligées afin de communier avec le Christ est un grand privilège pour le Chrétien. Alors, ce que ça veut dire, ça, euh, c'est qu'il y a des choses qui ne seront pas faites à mon goût. Mais mieux vaut ça, que les choses soient bien faites mais que je n'ai pas de temps pour communier avec Jésus. Ce que ça veut dire, c'est que même si je vais me coucher et que la maison n'est pas aussi propre que j'aurais voulu, mais au moins, je vais, au moins je vais passer du temps avec Dieu. Amen. Ce que ça veut dire, c'est même si le lunch des enfants ne sera pas aussi varié que j'aurais voulu cette semaine, parce que j'ai pris un temps avec Dieu le matin. Amen. Peut-être que ça veut dire que je sers de la pizza avec des assiettes jetables à Jésus s'il vient souper chez moi. Bien-aimés, avant le service au Seigneur, assurons-nous de passer du temps au pied du Maître. C'était la parole pour aujourd'hui.